Les gars, c'est mon gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pas le sauveur épisode 4, mais tout simplement une petite technique pour se faire du crédit facilement et rapidement. Ça s'attaque justement, enfin, ça marche pour tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas de crédit. Et tu vas pas te faire des milliers de cents avec ça. Là, je vais te dire, ça doit faire une semaine que je fais ça. Je dois être à genre, je sais pas, on va dire 35 000 crédits de bénéf, un truc comme ça, peut-être 40 000. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Dans un premier temps, si vous pouvez, si vous avez des amis, si vous n'avez pas le niveau pour être justement pour avoir votre liste des transferts à 100 éléments, faites-le, parce que ça ira plus vite et puis ce sera plus pratique. Alors je vous explique, voilà, on se retrouve sur mon écran, ce que vous faites. Bon, moi je peux pas trop vous montrer, mais voilà, moi j'ai déjà ma pile à 100. Voilà, donc ça va se passer justement autour des packs bronze. Au début, pendant la TOTS most consistante, vu qu'il y avait une TOTS bronze, j'ouvrais les packs à 1500, mais c'est pas rentable. Enfin, pas trop rentable. J'ai eu un tot, bon, je l'ai pas filmé parce que voilà, c'est un tot bronze qui se vendait 6000 crédits en achat immédiat, donc j'ai fait du bénéf sur le pack sur le moment même. Là, je vous explique, vous prenez les packs à 400 crédits et non pas ceux à 750. Je vais vous expliquer parce que dans chaque pack, il y a au moins, donc au minimum, 3 joueurs, d'accord. Par contre, faites attention, vous allez utiliser justement Futbin. Donc Futbin, c'est tout simplement un site qui permet de savoir le prix en temps réel d'un joueur. Vérifiez quand même, parce que pour les joueurs bronze, c'est pas mis à jour automatiquement. C'est-à-dire que pour les gros joueurs, c'est il y a une mise à jour justement parce qu'ils vont checker sur le marché toutes les peut-être 20 secondes, 10 secondes. Mais pour les joueurs bronze, c'est peut-être toutes les heures. Donc allez vérifier, mais pour les joueurs qui jouent en Barclays Première Ligue, en Ligue 1, en Liga BBVA, pas trop, en Bundesliga et en Serie A, donc dans les grands championnats, vérifiez quand même le prix. Bon, il y en a qui partent à 200, mais il y en a qui partent plus cher. J'ai eu une belle surprise l'autre fois, je tombais sur un joueur qui coûtait 3000 crédits dans un pack à 400. Je me suis fait un peu de bénéf sur le coup. Je vous explique, là je vais le faire avec vous, je vais pas les lister parce que ma liste est pleine. Mais voilà, vous ouvrez un pack, voilà, on s'en fout, hein. Imaginons que vous ayez 3 joueurs, le pack coûte 400 crédits. Bah tiens, c'est un bon exemple, j'ai 4 joueurs. Si chaque joueur vous le mettez à 200, ça fait 600 crédits, d'accord, que vous allez vous faire de bénéf, moins, donc vous enlevez à ces 600 crédits, la taxe dit, qui est de 5%, donc sur 600 crédits, si je calcule vite fait, ça doit faire 30 crédits, donc ça vous fait 570 crédits. Voilà, vous gagnez 170 crédits, d'accord, mais il y a des joueurs où vous avez plus de 3, vous avez, il y a des packs, pardon, où vous avez plus de 3 joueurs, donc vous faites plus de bénéf. Là, je vais regarder vite fait, là. Là, ils jouent tous dans des championnats dégueulasses, ils vont se vendre à 200. On va quand même vérifier, hein. Ah bah non, je peux pas, je suis con. Mais voilà, vous allez sur Futbin, regardez, je vais tester pour Rowe, par exemple. Lui, c'est un joueur qui joue en D4. C'est un anglais à 56, il va valoir 200, c'est clair. Mais si on va sur Futbin, ça se trouve, des fois, on a des surprises. Faut regarder aussi par rapport aux stats. Lui, il a 71 de vitesse, j'en sais rien, peut-être que ça peut jouer. Mais voilà, faut pas hésiter. Rowe, il a combien de général? 56, c'est ce que je l'ai. Je l'ai ici. Et voilà, 200 crédits. Donc vous les mettez tous à 200, hein, mais faites quand même attention à ceux qui jouent dans les grands championnats. Je vais les garder dans mon club. Et voilà, vous allez vous faire des petits bénéfices comme ça, parce qu'il y en a peut-être entre 5 et 10 qui partent par heure. Donc c'est toujours ça de prix. Et puis au final, vous allez voir le bénéf, ça va se faire automatiquement. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vais vous montrer également un truc dans mon club, et peut-être sur ma liste si j'en ai. Alors aussi des trucs qui se vendent bien. Si vous en avez, si vous avez de la chance, si vous voulez de temps en temps ouvrir un pack à 750, allez-y. Je vais regarder sur ma liste des transferts. Il y a certains consommables qui partent pas mal. Ok, lui, il est parti. Lui, ça part pas. Ça, c'est de la merde. Va falloir que je l'enlève. Il y a quoi? Attendez que je regarde. En même temps, vous voyez le prix des joueurs. Les contrats, ça part pas non plus, parce que même les contrats or, ils sont à 200 crédits. Je regarde. Je les ai mis parce que ça, c'était vraiment ceux du début. Il y en a aussi de Barclays Première Ligue qui partent à pas cher, hein, à 200 crédits. Hein, faut pas faire. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? Le stade, je savais même pas. J'en ai aucun de Première Ligue ici. Je regarde quand même parce que parfois j'en avais un en D1 belge. L'autre fois, il valait 1500 crédits. Quoi. Les tout attributs joueurs comme ça, tu voulais mettre à 200, mais c'est pas sûr qu'ils partent. Là, je l'ai mis à 300 d'ailleurs. Va falloir que je fasse gaffe d'ici 53 minutes. Pour que je puisse relister justement le tout correctement. Alors, est-ce que j'en ai sur ma pile des transferts? Non, parce que... Regardez celui-là. 2700 crédits, il n'est pas parti. Mais regardez, si je tape Cinnamon ici. Moi, je l'ai mis si cher parce que... Parce qu'il n'y en avait pas sur le marché, en fait. Regardez. Là, je regarde.
Le moins cher pour Cinnamon est à 2400 crédits. Je l'ai eu dans un pack à 400 crédits. C'est juste énorme, on se fait 2000 crédits de bénéfice rien que sur ce joueur. Donc c'est déjà cool. Voilà, ça c'est pareil, ça part pas, je sais pas pourquoi j'ai voulu le mettre. Et pourtant c'est un joueur, alors attendez, puisque je regarde. Regardez, il joue en Scottish Premier League. Donc les gars, des fois, regardez. Regardez pour pas vous faire baiser, faut pas avoir peur de regarder un peu tous les joueurs et puis après voilà ça va venir tout seul. Alors tout ce qui est soins pieds par exemple, je dois en avoir. Les soins pieds bronze, ça coûte assez cher. De toute façon on peut regarder également dans Footbin quand vous allez dans item et quand dans consommable. Donc en haut, si je vais dans healing, là on a pas mal de trucs. Alors on peut voir justement que pour le genou c'est 250, donc c'est bon d'avoir un soin genou par exemple, ça se vend un petit peu plus. Pour le pied, c'est 800 crédits. Un soin pied, c'est 800 crédits et c'est non rare, donc vous pouvez en avoir assez rapidement. Et également, les soins, justement, pour tout, là, ceux qui sont en rare, là, pour toute blessure, c'est 700 crédits pour les bronzes. Donc c'est vraiment pas mal, il y a vraiment moyen de faire du bénéfice. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter également à ouvrir ceux à 750. D'ailleurs, là, je vais en ouvrir un, puis on va voir un petit peu ce que je vais avoir. Voilà, c'est que des joueurs bronzes. C'est que des packs bronze, mais voilà, c'est une petite technique pour se faire des crédits, on va dire, facilement, et c'est garanti, quoi. C'est garanti de faire du bénéfice là-dessus, parce qu'au fur et à mesure, ça va se vendre. Donc là, hop, ça va aller là. Voilà, regardez, j'ai un genou et un pied. Le pied, je vous ai dit, c'est à 800 crédits, donc vous le mettez à 700, il part direct. Et le genou, bon, il y a marqué 250, tu le mets à 200, mais ça part direct, toi, vraiment, ça part direct. Voilà, faut pas hésiter. Et puis voilà, le reste, vous mettez en vente rapide, ça fait 50 crédits. Donc on s'en fout un petit peu. Mais voilà, c'était la petite technique. J'espère que ça vous aura plu. Pas de cut là-dessus, à part au moment où j'ai bégayé, mais vous le verrez pas. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, petite technique. J'espère que ça va en aider certains d'entre vous. Je vous retrouve bientôt. Hein. Je vais essayer de faire des vidéos justement tous les deux jours. Parce que c'est vrai que tous les jours, ça va être un peu tendu à tenir la cadence. D'ailleurs, tous les deux jours, je verrai. Mais voilà, en tout cas, montrez que vous êtes là. Je vous dis à la prochaine pour sûrement l'épisode 4 du Sauveur. Peace les gars.